Enfin, il nous fallait trouver un abri. Boots Motel. C'est à moi de raconter la prochaine histoire. Hé, hey, hein? Chut. La gentille aubergiste était avenante et sympathique et m'inspira aussitôt une franche gaieté. Mon fidèle laquais que vous voyez là a une grosse envie de se rafraîchir. Laquais? Et s'il y a des gaufres, je suis preneur. Mais nous sommes égaux. Oh, mais oui, où est-ce que t'as vu le contraire? Le noble Baudet se doit de rassurer l'être inférieur qui le sert. Tu me chauffes les coussinets. Mais Potet n'eut pas eu le temps de développer et décréta qu'il avait bien mérité un brin de toilette. Oh, mais... Bon, ce sera ça des faits. Mais soudain, le danger lui fit face dans son dos. Tadam! 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 Et Potet fut à jamais rayé de la carte. The end! Non, ce fut une toute autre histoire. J'ai senti s'approcher la menace insidieuse et d'un geste sorti ma rapière. T'inquiète pas, mon ami! Je suis là pour te sauver! Ah, oh, tu auras ma peau. Oh, c'était le prince charmant. Il était armé et réclamait vengeance. Je réclame vengeance, dit-il. Mais avant qu'on eût le temps de réagir, abracadabra! L'affreux spectacle, c'était terrible. Et comme ça faisait peur, t'aurais vu ça? Quoi? Non! Marche arrière! Bien que les coups partent très vite, je l'attendais pour volte-face, parer l'attaque et d'un bond m'écarter. Ce qui était exactement ce qu'il souhaitait que tu fisses. Charmant se mit à rire comme un échappé d'asile. Non, je m'excuse, mais ce genre de choses, ça m'arriverait jamais à moi. Non, on aurait dit que j'ouvrais les yeux. Voilà, c'est ça. Ce n'était qu'un rêve. Dis plutôt cauchemar. Tu sais que t'es au plafond, là? Tu me les paieras au centuple. Oh, et soudain, plus de lumière. C'était affreux et déchirant d'entendre Potet implorer miséricorde. Miséricorde? Oh, pitié. Dit Potet dans un long soupir d'agonie. Mais quand enfin revint la lumière, c'était l'âne qui désormais se trouvait dans la douche. Oh, mille Potet, pourquoi je ferais ça? Et juste derrière toi, que vois-je? Danger! Oh, vas-y! Tout est à t'éteindre. C'était une gaufre bourricophage. Elle était armée et réclamait vengeance. Je réclame vengeance. L'âne, prie ses pattes à son cou. Mais où peuvent mener des pattes quand on est dans une assiette couverte de beurre, affublée d'un tout du rose, oh, et d'un sombrero, oh, et d'un sunsagos noix de coco, ah, et sur le point d'être mangé tout cru. Non! Pitié, pitié, je me mets aux crêpes, j'y vais. Non! Et alors, l'âne fut à jamais rayé de la carte. Mais ce que Potet ignorait, c'est qu'à ce moment-là, juste derrière, se trouvait l'objet de toutes ses frayeurs. Non, tu ne vas pas. Oh, si, je vais. Tu oserais? J'ose. Non, c'est que tu veux, mais pas ça. The end. Je suis pas loin de croire qu'il y a eu tricherie. Ça a marché.